Clara Clio, bah voilà, c'est vraiment une voiture toute dernière génération dans sa catégorie. Donc c'est une équivalence à la Citroën DS3 R3 Max. En tout cas, sur la fiche technique, c'est des voitures qui se ressemblent beaucoup. Après, voilà, c'est différentes choses, différentes marques d'amortisseurs, de freins, etc. Donc, c'est une voiture qui est vraiment performante. Vraiment, on est assez impressionné par ça. Donc, bon, on va voir ce que ça donne au rallye, mais on est assez confiant du niveau de performance de la voiture. Non, c'est une voiture qui fait 242 chevaux. Voiture assez linéaire, qui marche très bien et je pense que ça peut vraiment faire de jolis chronos. Quentin, ses premiers essais? Pas mal, ça se passe bien. Depuis ce matin, on a fait pas mal de kilomètres là. On arrive à balayer déjà pas mal de choses au niveau setup et on arrive sur quelque chose de plutôt pas mal. Enfin, on essaye pas mal de pneus aussi. On a une gamme assez large dans le choix des pneus, donc on essaye pas mal de choses. Et puis voilà, donc ça se passe plutôt bien. Je suis vraiment content de me retrouver dans la Clio aujourd'hui. Et le copilote alors? Ses impressions? Bien. Pour le moment, on essaie différentes choses, ça se passe bien. Elle n'a pas roulé encore cette Clio en rallye? Elle a roulé avec quelques clients, mais pas comme voiture officielle. Ça va être des égouts au Mont Blanc. Cette nouvelle Clio là, ben, que du bien, parfait, une bonne séance d'essai avant le rallye, des réglages appropriés je pense à la base et très similaires au rallye, donc je pense que ça devrait aller. Donc, très bien, on a trouvé de bons réglages, le setup est pas mal, maintenant à voir vendredi.